Que fais-tu? Nous sommes vraiment ravis que le Satin de Suyen vous revienne. Cependant, vous avez payé les pénalités pour sauver la propriété de Satin de Suyen. Infiniment merci. Pourquoi faire ça? Madame Gang, si vous me faites confiance, j'ai une idée. Je vous écoute. J'aimerais que vous donniez le titre de propriété à Lin Xian. Que veux-tu dire? Lin Xian, écoute-moi. Je peux te céder la propriété par le biais de Wanda. Mais je voudrais que Madame Gang le fasse. Madame Gang, c'est Lin Xian qui m'a informé de la vente du satin de Suyan aux étrangers. Elle a voulu que je récupère le titre de propriété. Je crois qu'elle peut l'internationaliser avec sa passion pour le design et son talent. Lin Xian, grâce à ce que j'ai appris de toi, j'ai foi que ton design va donner une nouvelle vie au satin de Cheyenne. J'ai décidé de te léguer sa propriété intellectuelle. Tu en es la propriétaire légale. Procédons formalité. Prof, je... Lin Xian, tu as du talent. Je sais que tu as de la passion pour le satin de Xuyen et tu peux approfondir tes connaissances. C'est ce dont le Xuyen a besoin. Moi, je suis âgée. Il n'y a personne pour me remplacer. Donc, tu dois absolument développer le Xuyen. Si tu continues à refuser, tu fuis la responsabilité. Prof, il est vrai que j'adore le satin de Xuyen, mais il faut toute une équipe et un investissement pour le promouvoir. Et je n'ai aucun plan de l'orientation future, du développement du satin de Xuyen. Donc, même si vous me donnez le droit de brevet, je n'ai aucune confiance en mes capacités. Que diriez-vous si... Lin Xian, voici le plan d'affaires de satin de Xuyen. Jette un coup d'œil. Zhe Chang, vous avez tout préparé. J'ai foi en elle. Je me chargerai du capital. Donne un nom à la nouvelle marque. Je le nomme maintenant. Prof, et si vous le faisiez? À toi l'honneur. Glamour. Est-ce bon? Magnifique. Ton design rendra le satin de Xuyen glamoureux. Cela attirera le monde entier. Prof, vous m'avez montré cette broderie. Je n'y voyais que les techniques de couture. Maintenant, j'ai une nouvelle compréhension de cette broderie. Chaque tête de cet oiseau a sa propre idée. Tout comme les humains, nous nous sentons confus et perdus parce que nous voulons trop à la fois, sans savoir choisir. Je n'ai pas réussi parce que j'en voulais trop. Maintenant, je dois suivre mon rêve, me concentrer sur mon design et créer ma marque. Cette leçon que tu en as tirée est très précieuse. Prof, voici certains vêtements que j'ai conçus. Regardez. Tout cela est conçu par toi? Ah, magnifique. Tu as combiné le style chinois, le satin de Shein et la mode parfaitement. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Incroyable. Tu as enfin réalisé
Mon rêve de toujours. Je suis une artisane. Le développement du satin de Shuyen repose sur toi qui aimes ce satin et a la passion pour le design. Promets-moi de poursuivre ton rêve et d'internationaliser le satin de Shuyen. Prof, je le promets. Parfait. Nous avions travaillé en vain sur ce projet, n'est-ce pas? Il serait peut-être bon d'y penser autrement. Si j'ai entrepris ce projet, c'était pour réaliser le vœu de Li Zhetian. Je crois que s'il était là à ce moment, il espère aussi donner le satin de Shuyen à quelqu'un qu'il connaît mieux et l'aime davantage. Ce n'est de cette façon que le satin de Shuyen finira le mieux. Donc, tout va bien. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui vont à l'encontre de nos souhaits. Cela dépend de l'angle sous lequel tu penses. Alors... C'est pour toi. Un si grand cadeau. Ouvre-le. Est-ce que c'est... Tu l'as déjà fini? Jolie. Elle est magnifique. Vraiment. Tu dois recevoir de nombreux cadeaux chaque jour. N'est-elle pas aussi ordinaire, cette robe? Absolument pas. Les gens m'ont donné quelque chose parce que je suis la rédactrice en chef. Mais seul ce cadeau est vraiment pour moi-même. En plus, c'est le cadeau le plus sincère que j'ai reçu. Donc, merci. Je l'aime beaucoup. La robe me va à merveille. Merci. Je sais. J'ai pris tes mesures. Montre-la-moi.
Comment lire ces chiffres? Je n'y comprends rien. Peux-tu m'expliquer, prof Gou? Hé, je suis prof. Hé, tu es un maître de jeu. Aide-moi à passer ce niveau. Donne-le-moi. Waouh, c'est compliqué. Quel chiffre? Fais-moi voir. Il semble que tu es donc déterminé à faire revivre ce métier. Je serai un sage leader. En effet, tu as arrêté de draguer les filles. Tu es vraiment déterminé. Hé, j'ai appris que tu... Être sérieux en toutes choses et envers tout le monde, c'est la nouvelle décision que j'ai faite. Écoute-moi, si c'est pour t'amuser avec elle, comme tu en as l'habitude, je te prie d'arrêter. C'est une fille bien. Ce n'est pas un jeu. Je jouais avant. Mais je suis sérieux avec elle. Je suis conquis. C'est fait. Hein? Hé, Chen Hehe, par ici, Chen Hehe. Chen Yai. Chut. Ne crie pas. Entre, dépêche-toi. Pourquoi tu cries dans la rue? Mais que fais-tu? Sommes-nous des voleurs? Et si les gens nous voyaient? Non. Je voulais dire, nous venons de commencer. Ce serait gênant si nous nous séparons un jour et que tout le monde le sait. Je veux juste te protéger, tout en étant la plus discrète possible. Discrète. Chen Yai, qui t'a dit que nous nous séparons un jour? Pourquoi dis-tu toujours ça? Je dois me préparer à toute éventualité. Les filles comme toi sont difficiles à gérer. Comment m'as-tu attirée? Dis-moi, pourquoi tu es venue? Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Ah! Pourquoi tu dépenses toujours de l'argent pour ces sacs inutiles? Tu sais bien ce que j'aime manger. Tu peux m'acheter à manger. C'est moins cher. Tu gaspilles. Regarde ta duplicité. Je sais que tu consultes souvent ce site web. Il y a toutes les marques dedans. Alors j'en ai sélectionné pour toi. Si tu n'aimes pas, tu peux le retourner chez toi gratuitement. Non! Envoies-tu habituellement des cadeaux aux filles? Hein? Ok. Lintian, je dois partir. Prends soin de prof. Tu peux te rassurer. Je prendrai bien soin d'elle. Je vais continuer à travailler le satin de Shuyen. Ce à quoi je réfléchis, c'est que le satin est un peu léger et est relativement souple. Donc, c'est difficile à concevoir. Je pense à y remédier. Ne t'inquiète pas, je vais y arriver. Tant mieux. Je me rassurerai si tu es là. Le rêve de prof devient enfin réalité. Je peux donc rejoindre mon mari. Prof! Prof! Pardonnez-moi! Prends soin de toi. Yuan Yuan, relève-toi. Ne me raconte pas, n'y pas. Vas-y,
Prends soin de toi et de prof. Mm. Fais attention en route. Salue-le de ma part. Je vous rendrai visite. Comment Lin Qian va-t-elle développer le satin de Shuyen? Je pense qu'elle va en créer une marque de designer. Je suppose que oui. Lin Qian ne se souciera pas des bénéfices, mais plutôt de la qualité. La qualité est importante, mais pour une marque, s'il n'y a pas de profit, cette marque ne durera pas longtemps. Je suis rassuré que ce soit Lin Qian qui fasse le satin de Cheyenne. Je sais qu'elle ne me décevra pas. Pauvre de moi. Tous mes efforts pour le satin de Cheyenne ont été vains. Et si tu m'invites à dîner ce soir pour me réconforter? Je suis occupée ce soir. Je suis désolée. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'avoir un dîner avec toi? Parce que j'ai trop de boulot. Tu ne peux pas m'en vouloir. Donc je ne peux pas manger avec ma petite amie? Quand ai-je accepté d'être ta petite amie? Ne le nie pas. Tu l'as dit à l'hôpital. Je suis au courant. C'était quand ça? Le docteur me l'a dit. Admets-le. Il m'a dit... quand tu étais dans le coma, ta petite amie était très inquiète. Et elle est très jolie. Mais je n'ai pas dit ça. Tu es terrible. Ok, ça suffit. Dîne avec moi ce soir. J'ai trouvé une solution! Prof, j'ai une idée! Regardez! Oh! C'est un peu plus épais? Oui. Le satin de Shuyen est léger et souple. J'ai donc ajouté une couche de tissu. Il peut être transformé en n'importe quelle forme. Mais ce ne serait plus du satin de Shuyen? Oui. Mais l'organza était le tissu populaire du marché. Je veux trouver mieux pour remplacer ça. Tout en gardant la souplesse du satin de Shuyen et en résolvant le problème du design. Oui, j'avais collaboré avec une usine, pas mal. Le propriétaire était sympa. Je vais l'appeler pour emprunter son laboratoire. Je l'appelle tout de suite. Allô? Allô, Monsieur Huang? C'est Lin Qian. Vous vous souvenez de moi? Ah, Lin Qian, bien sûr. As-tu un nouveau projet? Ce que je fais, ce n'est pas un projet. J'essaie de résoudre certains problèmes. Je voudrais utiliser votre labo. Utiliser mon laboratoire? Oui, j'avais vu l'équipement.
dont j'aurai besoin dans votre labo. Donc je voudrais... Mais notre labo est en usage maintenant. Peux-tu revenir après 3 mois? Après 3 mois? Oh, d'accord. Hé, Zhechang. Allô, madame, salut. Peux-tu venir me voir? Lin Xian fait des recherches sur la souplesse du satin de Xueyan. Ah, elle travaille très dur. Je m'inquiète pour elle. Ah, au fait, il y a un certain... Monsieur Huang, qui lui a refusé d'offrir son laboratoire. Oh, est-ce Monsieur Huang du groupe ID? Ah, il me semble que c'est ce nom. D'accord. Merci, madame. Je sais quoi faire. L'orientation importante de notre groupe est le développement diversifié. ID More est la clé de notre transformation stratégique. En plus, votre travail consiste à collecter les informations. Vous devez mettre notre culture du travail en pratique. Oui. Tu peux disposer. D'accord, monsieur Huang. Monsieur Huang ? Hey. Hey. Monsieur Li. J'ai besoin de votre aide. Avez-vous du temps pour parler ? Évidemment. Que puis-je faire ? Lin Xian, vous êtes-elle appelée ? Oh, oui. Elle a appelé pour le labo. Mais c'est difficile en ce moment. Notre labo est populaire. Il est indisponible. Monsieur Huang, faites-moi une faveur. Pouvez-vous mettre de côté votre projet et donner à Lin Xian un peu de temps ? Le satin de Suiyan a même dérouté les étrangers. Ne serait-ce pas une bonne publicité si le groupe ID y participe ? Monsieur Huang, vous savez, la relation entre moi et Lin Xian. L'aider, c'est m'aider. L'amour est notre culture commune. Et je n'oublie jamais ceux qui m'aident. Si à l'avenir, vous avez besoin de l'aide de Wenda, je le ferai sûrement. Monsieur Li, comme vous avez dit ainsi, comment puis-je ne pas vous aider? Merci beaucoup. Allô? Monsieur Huang? Tout le labo et son personnel sera à toi à partir de la semaine prochaine. Ah? Vraiment? Mais vous aviez dit qu'il y avait un projet en cours. Auriez-vous changé d'idée? Ce projet est en attente de la confirmation de l'autre partie. Le labo est donc disponible. De plus, dans le projet de Mingsheng, c'est toi qui a aidé Heidi à créer le tissu imperméable. Donc, je voudrais te rendre l'appareil. C'est vraiment génial. Merci, monsieur Huang. Vous êtes vraiment mon sauveur. Tu as de nombreux sauveurs. Oh, je suis restée longtemps dans le labo. Je me demande pourquoi monsieur Huang a soudainement changé d'avis et a accepté de prêter. Alors tu as disparu pour vivre au labo? T'as-je commencé par t'appeler Dr. Lin? Non, non, non. Dis-moi, Dr. Lin, quelle est la situation? J'ai trouvé un nouveau tissu, meilleur que l'organza. Il est appelé Orinza. Ils m'ont aidé à le tester. Ça peut résoudre le problème de la souplesse du satin de Xueyan. Oh, tu sais, je suis enfin soulagée de ce fardeau. Je pense que c'est un grand progrès pour notre marque Glamour. Est-ce que je dois te féliciter? Écoute, pour célébrer, allons dîner au restaurant ce soir et discutons de l'ouverture. Ok, ok. Nous pouvons discuter des invités à l'inauguration. Ok, à ce soir. Hein? Tu me fais trop manger à chaque fois, je suis rassasiée. Hey, tu sais, trop de sucre peut endommager la peau. J'ai les pores beaucoup plus dilatées. Ta peau est parfaite. Arrête de t'inquiéter. C'est pas vrai, hein? Je dois prendre un rendez-vous sur le soin corporel, sur l'application Soyon. Hey, au fait, l'addition est pour moi aujourd'hui, hein?
Je ne peux le permettre. C'est non négociable. J'ai déjà dit que c'était pour moi. Mais ce n'est pas gratuit. Je te demanderai une faveur en retour. Je t'aiderai très volontiers, même si tu ne m'invites pas à manger. Ce dont je veux parler, c'est une chose très importante. Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux travailler. Je cherche du travail. Ce n'est pas une chose très importante, ça ? N'est-ce pas toi qui m'as dit que c'était de l'esclavage ? Oh, je comprends. Tu m'as invité à dîner pour intégrer l'entreprise. Ton frère est au courant ? Est-ce un entretien d'embauche ? Tes questions ne sont pas professionnelles ? Ok, je réponds alors. Primo, bien que je n'aime pas être liée par le travail, mais j'y ai réfléchi. Je veux être indépendante. Et pour ça, je dois travailler. Deuxio, je connais mieux la situation de Wenda, n'est-ce pas ? Un avantage ? Tertio, je ne veux pas qu'il le sache. Sinon, il me sous-estimera. Santé ! Je pense que tu devrais embaucher Li Jinyuan dans l'entreprise. L'amour au bureau est romantique. Chen Chang, garde ton idée de génie pour toi. La distance est importante, le sais-tu ? Si, comme ça, tu ne peux pas l'avoir, alors tu ne l'auras jamais. Tu ne connais vraiment pas Jinyuan. Elle aime s'amuser, mais elle a aussi une personne déterminée. C'est impossible de la voir comme ça. Les femmes aiment les grandes scènes. Tu dois créer de la romance. Et comment ? Sois plus actif. C'était une belle journée. Oui, je suis satisfaite. Je veux rentrer maintenant. Hein ? Tu rentres si tôt ? Hein ? Tu n'es pas épuisé ? Non, Jinyuan. Allons visiter un autre mall. Non, merci. Je veux rentrer. Jinyuan. Quoi ? Tu vas accoucher ? Non. J'ai mal au ventre, c'est grave. Mais on n'a pas mangé de choses malsaines. Où tu as mal ? L'estomac. Ici ? C'est pas l'estomac. L'estomac est ici. Non. Les deux côtés. C'est si sérieux, que faire alors ? Je dois aller à l'hôpital. Ok, allons-y. Hein ? Allez. Hé, n'écoute pas le GPS. Écoute-moi. Tourne à gauche et devant. À gauche ? Le GPS dit à droite, tu as tort ? Non, c'est juste un détour. Mais t'as plus mal au ventre ? Ça va beaucoup mieux. Ne t'inquiète pas. Descends. Non, tu ne vas pas laisser un malade descendre. Continue à jouer la comédie. Tu es un si mauvais acteur. Descends. Jinyuan, je veux passer plus de temps avec toi. Kuyanju. Descends. Allô ? Quoi encore ? J'ai laissé un livre dans ta voiture. Tu peux me le ramener ? Où es-tu ? Envoie ta localisation. Ah, je suis là où tu m'as déposé, à l'arrêt de bus. Ah, ok. Attends-moi. Pourquoi l'écran ne change pas ?
Allô, Chenjiang. Allô, Kuyanju. Ça évolue? Je vais mettre le panneau publicitaire en marche. Je viens d'utiliser un petit truc pour que Tingyuan me retrouve. Eh mais quand est-ce que l'écran changera? Tout de suite. C'est super. Où es-tu? Je te fais un signe. M'as-tu vu? Ah, oui. Parfait. Hé, tu dois réussir. Écoute-moi, elle coûte cher cette pub. Je sais. Oh, elle va arriver. Je raccroche. D'accord. Je vais souffler. Joyeux anniversaire. Merci. Je ne sais pas. 还是不确定，我还是不适应这份关系，靠你多近，多少都不甘心使用这份喜欢，你换你一句我愿意。站在红绿灯前，人悄悄我推挤，擦肩而过孤单的你，我多少分心，这多少分之一，你。 Qui est-ce qui a écrit ça? C'est Gribouillet. Qui t'a appris ça? Ça ne doit pas être ton idée. Moi aussi, je peux être romantique. Ok. Chengjiang m'a aidé avec son idée. Il a loué les panneaux publicitaires. Il y a tellement de gens qui passent ici tous les jours. Ils le verront? Oui. Pas seulement l'arrêt ici. Il y a tes photos à tous les arrêts de bus. Je sais. C'est le vent qui est fort. Mais pourquoi ne pas choisir de belles photos? Toutes ces photos ne sont pas jolies? Vraiment, je ne pense pas. Oui. C'est peut-être parce que tu m'as envoûté. Est-ce donc de ma faute?
Que fais-tu? Il faut partir, va-t'en! Je veux t'accompagner! Non! Lin Chen va nous voir! Va-t'en! Allez, vas-y! De quoi as-tu peur? N'avons-nous pas une liaison? Ce n'est pas le moment idéal! C'est pas le bon moment. Quand le moment viendra, je rendrai public notre relation. Tout le monde le saura, d'accord? Je t'en supplie! Je pense que c'est le moment idéal. Allons-y. Hé, arrête! Va-t'en. Sinon, nous deux, c'est fini. Va-t'en. Vite! D'accord, je m'en vais. Allez. Félicitations, mademoiselle Lin. J'ai appris que vous recrutez. Puis-je être recrutée? Tu es venue pour l'entretien? Il y a des conditions. Je suis qualifiée, quoi que soit la condition. Lin, je sais que tu en es capable. Tu m'as aussi manqué. Comment vas-tu? Yayi, merci d'être revenue quand j'ai le plus besoin de toi. Je reviendrai quand tu voudras. Quand tu te retourneras, tu verras que je suis derrière toi. Tiens, c'est pour toi. Félicitations, tu as enfin réalisé ton rêve et créé ta propre marque. Et une si jolie boutique. Nouveau look? Très joli. Et les études? Ça va. Je suis plutôt une bonne élève dans ma classe. Bien sûr, je ne suis pas aussi bonne que toi. J'en ai la preuve. J'apporterai mon œuvre de fin de formation dans 2 jours. Tu seras surprise. Ok. Yayi, tu es venue? Eh, Monsieur Lee, ça fait longtemps. En effet. Yayi est venue m'aider. Alors, je vous laisse. J'y vais. Es-tu prête? Presque. Nerveuse? Eh, qui as-tu invité? J'ai invité les médias, les acheteurs. Et des amis. Beaucoup de monde. Tout ce monde? Ce sera animé. Viens avec moi. Il a été peint selon ta forme. Tu aimes? Peint par toi-même? Lin-Chen, tu me dis que l'amour, c'est d'être ensemble pour toujours. Comme dans ce graffiti. Ils s'entraident. Tout comme nous deux, nous nous entraidons mutuellement dans les moments difficiles. Je les ai peints ici pour commémorer notre glamour. C'est délicieux. C'est délicieux. Comment as-tu trouvé cet endroit? C'est chic. C'est plus délicieux que celui de l'autre fois. Ne t'inquiète pas, je ferai tout pour t'acheter les meilleurs macarons du monde, de tous les goûts différents. Mignon garçon, quel est ton objectif? Tu ne m'as pas invité juste pour manger des macarons, n'est-ce pas? Ah, je ne peux pas t'inviter à venir pour la causerie. Laisse-moi te dire que je ne suis pas du genre à appeler, envoyer des textos tous les jours parlant du manger, du boulot, des amis, le genre d'amour entre adolescents. Je n'aime vraiment pas ça. Amour entre adolescents? Ok. Viens chez moi ce soir.
Là, tu es trop direct. Est-ce vraiment mauvais de l'être ? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Eh, de toute façon, dis-moi une raison que je puisse te croire. Eh, je ne t'ai pas menti. Je suis sérieux. C'est mon anniversaire. Carte d'identité. Carte d'identité ? T'ai-je déjà menti une fois ? C'est bon, je te crois. Donc, quel cadeau veux-tu ? Toi. Oh, tu es un voyou. J'appelle la police. Eh, hey, ne le prends pas mal. Je veux juste que tu viennes porter la robe que j'ai créée pour que je t'admire. Ce serait le meilleur des cadeaux, d'accord ?相信你一定懂。